Les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Moi, je veux faire... Non, c'est moi qui parle. Moi, je veux faire du skateboard. Non, moi, je veux faire du vélo. Non, on t'a pas parlé. Déjà, on va faire du skate. Mais les enfants, attendez. Moi, je vous propose d'aller au parc, ça vous dit? Oui, moi, ça me dit. Ça te dit dimanche ou ça te dit lundi? Pourquoi tu dis samedi? Toi, t'es bête, ça. Oh, c'est bon, calmez-vous. C'est lui qui m'embête que j'ai rien fait. Là, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Là, c'est toi, c'est toi. Non, c'est toi, 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 c'est toi. Ah, c'est bon, c'est bon, stop. Moi, je décide qu'on va au parc. Allez, on y va. Aaron, est-ce que tu es toujours mon amoureux? Non, parce que je te vis avec Maël la dernière fois. Ah, mais je m'en fous de Maël. Alors, vous allez faire quoi au parc? Tu vas faire le toboggan, Aaron? Oui. Et toi, Jade, tu vas faire la balançoire? Non. Tu vas faire quoi? Je vais faire l'acrobatie. Ah oui, c'est vrai, là-bas au parc, il y a l'acrobatie. L'acrobatie, c'est bien, mais moi, je veux le faire avec mon amoureux. Ah ouais, Jade, t'as un amoureux? Mais c'est qui ton amoureux? C'est lui, là. Arrête-moi, ça, là. Touche-moi. Mais viens, touche-moi. T'as des beaux cheveux. Merci. Ah, ils sont trop mignons, ils sont bêtes. Ils sont grave mignons. C'est vraiment drôle, les enfants. Bon, toi, j'ai jeté à la poubelle. Oh, t'as dit quoi, là? Pourquoi tu vas le jeter à la poubelle? Mais c'est pour rigoler. Ah, mais toi aussi, tu dis que tu vas le jeter à la poubelle. Bah oui, je vais vraiment jeter à la poubelle, regarde. Ils sont en train de blaguer ou c'est vraiment sérieux, là? Attends, stop. Mais Jade, c'est dangereux ce que tu es en train de faire, là. Mais c'est fou, je vais pas te jeter à la poubelle. T'es trop belle. Mais attendez, là, vous êtes en train de vous moquer de moi? Stoppez tout ça, parce que moi, je suis votre nounou, vous me respectez, ok? Vous vous moquez pas de moi. Oh, ils m'écoutent pas, ces enfants. Bon, on y va. Franchement, aujourd'hui, je suis content de toi. Vous avez bien travaillé. Ça fait plaisir avec moi. Aujourd'hui, t'as pas tellement bête. Je suis 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 bête. Toi, t'es bête, toi. Ah, moi, je suis vraiment bête. C'est, moi, c'est ça, c'est ma nature. Faut me laisser tranquille. Ah, je suis bête. C'est pas possible. À chaque fois que je parle avec toi, vous en plaignez. Balancer, faire des modèles devant moi. Moi, j'aime pas ça. T'as compris aujourd'hui? T'as compris? Oui, j'ai compris. Aaron, est-ce que après, tu pourrais venir chez moi manger après le parc? Non. Il va nulle part, ok? Moi, je dois le poser chez lui, d'accord? Et de toute façon, là, vous voyez ici, il y a un raccourci pour aller au parc et on va le prendre, ok? Ça va, mon fils? Oui! T'as vu, Laurine, son papa, il est tout petit comme un biscuit. Mais non, il n'est pas petit comme un biscuit, il est petit comme un chocolat. Comme un chocolat chaud. Oh. Et aussi comme un pigeon. Et aussi comme un bonbon. Et aussi comme un chien. Pourquoi ils sont en train de rigoler comme ça sur moi? Arrête de rigoler sur mon papa, sinon t'es plus mon amoureuse. Yes! Si tu continues à rigoler comme ça sur moi, c'est plus ton amoureuse. Oui! Voilà! Caca. Sinon tu seras plus heureuse. Caca. Oh. De toute façon, il est bête! Hey, tu sais quoi? Je t'ai gardé tes chips préférés à la banane. Tiens! Quoi? Oh! J'ai préféré, tu me dis c'est quoi? Ah, c'est une blague! Eh, arrête!
Pourquoi tu nous gardes comme ça? Sa mère, elle veut pas que tu le touches, elle veut pas que tu l'approches. Faut même plus que tu le vois en fait, ok? Donc je sais pas pourquoi tu le touches là, mais tu dois pas être proche de lui. Comment ça? Je dois pas le voir, je dois plus le toucher. Mais c'est mon enfant. Toi là, fais attention. Oh, toi aussi là, frère, n'écoute pas ce qu'elle est en train de dire, ok? T'as entendu? À cause de toi là, il a entendu, il me calcule plus. Mais je suis ton papa. Attends. À cause de toi. Mon enfant, je t'aime. Il m'écoute plus. Je t'aime, mon fils. Tu connais Gaël, mon fiston? T'es comme mon fiston. Faut pas influencer mon enfant. Vous êtes influenceuse. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Ça, c'est vrai. Quelle déception. T'as vu, ton fils, il veut même pas s'approcher de toi. De toute façon, je vais prévenir sa maman. Ah oui, c'est vrai, sa maman, elle est en voyage, donc je vais prévenir son papy. Merci, papa, pour les gâteaux. Mais maman, il est à l'école. Mais ton papa, il est fâché. Qu'est-ce qui lui va pas? Mais vous avez craqué, vous. Viens lâche ici, là. Mon amoureux. Mais lâche le petit, là. Tu fais quoi, là? Je t'ai non, dit, tu dois pas l'approcher. Moi. Bah, comment non, ça, je dois pas l'approcher? Bah, tu dois pas. C'est mon fils. Et alors? L'unique, le seul. Mais tu dois le lâcher en fait. Tu l'approches pas. Arrête, il t'a pas fait mal, ça va? Mon petit papa biscuit qui est agité. Mon petit papa qui est agité. Eh, hey, ici c'est pas les feux de l'amour, hein. C'est à la télé que ça se passe comme ça. Arrête de défendre, t'es pas avocate, ok? On n'est pas la cour. Même si on est dehors et tout, c'est une cour. Mais c'est pas la cour pénale, ni de récréation. Malgré les compréhensions. Malgré les conversations, malgré les... J'ai oublié les paroles. En tout cas, force. Lui, il se prend pour Kerry James. Il est malade, hein, des fois. Parce que moi, si je serais lui, je l'aurais jeté à la poubelle. La poubelle, c'est bien pour ce gros déchet comme lui. Et ouais. Il faut arrêter ça. Hein. Arrête ça. Appelle qui tu veux, je vais récupérer cet enfant aujourd'hui et tout de suite. Bon, ok, je vais appeler le papy de Aaron. Wesh! Ah, le bâtard! Ah, j'ai compris. Ah, bon. Mon téléphone sonne. J'ai là. Compris. Bon. Mon téléphone sonne. Ah, j'ai compris. Bon. Allô? Allô, le papy de Aaron, il y a le papa de Aaron, il dérange. Ces petits cons là, ils dérangent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il dérange en fait, il est en train de le toucher. Je sais pas pourquoi. Même si tu dois prendre ton fils, et alors? T'as pas le droit de l'approcher en fait. Mais ah, de quoi? Oui, c'est un petit voyou. Oui, faut que vous venez tout de suite là. Ah, d'accord, vous êtes à côté. Bonjour, Bato. Attends. Je suis au téléphone. Eh hey, mon gars, ça va ou quoi? Eh, il s'est passé quoi aujourd'hui? Ah, tu es mort. Comment ça? Tu es vraiment mort. Et pourquoi? Tu es dans mon collimateur, tu es mort. Il se passe quoi? Le patron là, il a décidé de te virer. Tu es arrivé en retard ce matin. Mais toi, tu parles fort comme ça. Comment ça, wesh? Comment tu sais ça, toi? Ah, mais il m'a dit ça ce matin. Ah. Mais toi aussi, je t'ai appelé, je t'ai dit, j'arrive en retard pour venir le patron. Tu as rien fait. Toi aussi, t'es un connard. Ouais, j'arrive tout de suite. Bah, ok, à tout de suite. De toute façon, il arrive. À tout de suite, monsieur. Il arrive. Et il faut plus l'approcher, ok? Oh. Qu'est-ce qui t'arrive là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Patron, je suis désolé. J'avais dit ça. C'est pas de ma faute, patron. Mmh. Et, en fait, le train, le RER, il est resté bloqué. Mmh. C'est comme ça. Ouais, pourquoi t'es en retard? Pourquoi? Patron, je viens de te le dire. J'avais dit ça. C'est comme ça là. Si ça continue comme ça, je vais te virer. Ah non, là, c'est pas bon. Je vais te virer. Non, patron, s'il te plaît, patron. Non, pas fait ça, patron. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai besoin de travail là. J'ai besoin de travail. J'ai pas d'argent. Je mange pain ici et de l'eau, je Moi, je t'avais dit quoi? C'est tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Ouais, mais c'est le train, j'habite loin, patron. Sinon, à partir d'aujourd'hui, je vais te virer. Je vais te virer. Moi, j'ai dit ça. Je vais te virer. Non, patron, non. Toi aussi, là. Moi, j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu veux de toi? Il est viré, oh. Pourquoi tu doses, toi? Il est viré. Dégage. Il est viré, oh. Il est viré. Dégage. Patron. Il est viré, oh. Dégage. Il est viré. Il est viré, oh! Il est viré! Ah, il est viré! Il n'aura plus la fiche de paye! Hein. C'est fini! C'est fini! Il n'aura plus ça! C'est terminé! Match est silly! Hein? Vraiment! Il est viré, oh! Il est viré! Oh. Il est viré, toi oh! Toi aussi, je suis viré! Oh. Mais attends, pourquoi tu me vires? Oui! Moi, je moi veux aussi, quoi? Je suis viré! Moi, je suis arrivé en retard! C'est pas qui lui qui est viré?
Oh, lui, il est viré, toi, t'es viré aussi. Mais comment ça, moi, je suis viré? Oui, je suis viré. Oh, toi aussi, tu es viré? Oui. Donc, on peut se casser alors? Oui. Hein? Donc, on y va, on se casse. C'est fini? Ah, mais attends, moi, en France, là, je comprends plus rien. Il me vire, et lui aussi, se vire lui-même. Mais vraiment, où va le monde, hein? Si ça continue comme ça, là, vraiment, là, ça va pas. Hein? Moi, je vais rentrer à Kinshasa directement. C'est bon. Moi-même, je suis bête aussi. Pourquoi j'ai dit je suis viré? C'est lui qui est viré. Voilà. T'es un bâtard, hein? T'es un connard. Tu danses devant le patron comme ça. Tu danses de mon malheur. Tu danses de mon malheur, c'est pas bien ça. Hein? Ah, mais pourquoi tu dis ça? Mais t'es là, il m'a dit, je t'ai viré, il est viré, il est viré. Ah, mais moi aussi, il m'a viré. Lui-même aussi, il s'est viré tout seul. Ah, il s'est viré? Ah, mais oui, il s'est viré tout seul. Mais qui fait ça? Lui-même. Oh, tu sais quoi? J'ai un plan pour nous deux. Il s'est viré, oh! Il s'est viré, oh! Il s'est viré, oh! Il s'est viré, oh! Il s'est viré! Il est viré, oh! Ah, mais attends, attends, attends! Tu es devenu architecte! Comment ça, architecte? Ah, mais tu m'avais dit, t'avais un plan, non? Ah, toi aussi! Oui, j'ai un plan qui fonctionne! Un plan qui va marcher comme sur des roulettes! Ah, c'est pas un plan, la roulette, oui, c'est un plan sur des roulettes! Ça va glisser comme ça! T'inquiète même pas. Ah, mais attends, toi, tu parles beaucoup. Mais c'est quoi le plan? Ah, toi aussi. Je t'ai dit, c'est le plan. Tu sais quoi le plan? Écoute bien. T'as vu le patron là? Qui s'est viré tout seul là? Hein. Ah, mon gars, le plan, je le connais dans ma tête par cœur. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Il a un petit-fils, lui. Ouais, ouais, je vois, c'est lui. On va prendre le petit-fils, tu sais, comme ça. Mais pas pour de vrai, mais pour de faux. On va lui faire croire que c'est vrai. Lui va croire que c'est vrai dans sa tête. Mais nous, c'est pas vrai pour défaut. Le petit sera là, petit glace, tout ça. Mais lui, on va lui demander rançon. Rançon. Envoie les pépettes. Là, vraiment, là, ça commence à m'intéresser. Ça commence à m'intéresser. Oh. À intéresser. Ça commence à m'intéresser. Oh. Mais pourquoi t'as dit pépette? T'as pété? Pépette, c'est l'oseille, c'est l'argent, le money, comme on dit en anglais. La money. Ah, on va faire beaucoup d'argent. Oh. On va faire l'argent. Oh. Écoute, il nous a viré, non? Ah ben oui. Il nous a viré. Et lui-même, oh. Il s'est viré aussi tout seul. Là, il faut suivre le plan à la lettre. Ah mais attends, attends, tu vas envoyer les courriers? Oh, mais lui aussi. Aïe. Non, il faut suivre le plan comme c'est écrit. Comme c'est fait, comme c'est monté, comme c'est agencé, comme sur le schéma. Ah. Donc voilà, il est parti, non? Il a dit, j'arrive. Il va où? On va le suivre. Ah, on va voir. Parce que moi, j'ai une idée d'où la petite là, avec la nounou là, le petit là, il traîne. Mais lui, on va le suivre pour être sûr. Ah, je comprends mieux. Il est parti, il a dit, j'arrive. Je sais, c'est là-bas, il va. Mais tu sais quoi? C'est parce que sa fille est en voyage. Donc, c'est la nounou qui garde la fille. Donc, ça veut dire, va voir la nounou, là. C'est elle qui a la petite. Enfin, le petit. Voilà. C'est chaud ou pas? Hey, arrête-toi, là. Arrête-toi. Tu vas où avec les enfants? Ah, non. Ça va, mon fils? Ça va. Toi, t'es là aussi? Salut, beau-père. Ah ouais, tu l'as vraiment... Attends. Tu l'as vraiment contacté? Bah oui, je l'ai contacté, tu croyais quoi? C'est bon. Hé, hey, beau-père, c'est moi, il faut pas rester comme ça, hein. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben, comment ça, je fais quoi ici? Il faut pas approcher de mon petit-fils. Hein? Vous avez pas le droit d'approcher de mon petit-fils. Ça, c'est mon sang. Ah, c'est ton sang? Oui. Le sang comme Joule. Ok, oui. Lui aussi, c'est mon sang, c'est mon fils. Ouais, non, mais moi, je dis, il c'est ton... approcher de mon petit-fils. Comment ça, je peux pas approcher du petit-fils? Ouais. Mais c'est mon fils aussi. Tu dis c'est le sang, ok. Mais toi, le sang passe par ta fille. C'est venu jusqu'au petit-fils. Mais moi, c'est direct. Ok? Regarde l'enfant, il me ressemble. Il me ressemble. Regarde. Hein? Oh, toi aussi, regarde-moi quand je te parle. T'as vu? Il rigole, mec. Qu'elle est avec vous, il rigole même pas. T'as vu, elle veut même pas que tu touches son amoureux, en fait. Toi, tes affaires d'amour, là, tu laisses ça loin. Arrêtez là. Tonton. Oui, beau-père. Oui, je t'écoute. Oui, écoute-moi. Même mets les écouteurs, tu vas bien manquer. Oh, arrête, arrête. T'as vu même ton fils. Ah, c'est bon, arrêtez. Tonton, beau-père, écoute.
C'est pas parce que je suis plus avec votre fille que voilà. J'ai dit, voilà, ça fait dire quoi? J'ai dit, il y a des choses qui vont t'arriver. Quoi? C'est quoi? Il y a des choses donc, qui vont t'appeler pour le retour, le renfort. Et là, t'es là, quoi? Moi, je t'ai dit, hein, oui. Mon enfant, il doit pas être mou comme le papy. Déjà, toi-même, tu dis que je paye pas la pension, je m'occupe pas de l'enfant. Toi-même, tu fais quoi? Hein? Parce que t'es patron dans une petite entreprise. En plus, toi-même, c'est ton père qui t'a légué l'entreprise. Donc, tu n'as pas travaillé de la sueur de ton corps. Même si moi, tu transpires. C'est mon fils, c'est mon fils. C'est pas ton fils, c'est ton petit-fils. Quand? Je ne peux pas approcher de mon fils. Mais comment ça? Je vais partir avec lui. Viens, on y va. Viens. Oh! Viens, t'as pas le droit. Hé! Hey. Bah oui, t'as pas le droit. Mon fils! Je veux partir avec mon papa. Voilà, il veut partir avec son papa, pas avec son papi. Papa et papi, c'est pas la même chose. Il y a papi, P-A-P-A, c'est moi. Et P-A-P-I, c'est toi. Toi, t'as dit papa ou papi? Papa. Voilà. Laisse, lâche, 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 lâche. Merci. Et toi? Dans P-A-P-A, t'as dit papa, oui, oui c'est bon. Oui. Et t'as dit P-A-P-I, donc c'est, tu te trompes, c'est P-I-P-I. Ça, c'est pipi, ça! Non, mais toi, t'es drôle, hein? Toi-même, t'es drôle avec ta tête de biscuit. Oh, attends, mais par contre, tu ne manques pas de respect, hein? Sinon, je vais te botter, tu vas atterrir chez toi au lit. Puni. Non, tu parles pas là. Et toi là, t'es au chômage parce que moi je paye le petit. Chômage de rien du tout. Lui, il reste avec son amoureuse, ok? Comment ça? Je suis pas. Toi là, t'es pas ma belle-fille, hein? Et ok, alors... moi je me casse. Ah, moi je suis chaud, hein? Comme le chocolat chaud. Il est chaud comme le chocolat. Attends, on se rappelle du plan. Tu sais ce que t'as à faire? La nounou, elle a deux petits avec. Un garçon, une fille. Quand tu arrives, tu les vois. Tu t'occupes du garçon, tu prends le garçon parce que c'est lui le petit-fils du patron. T'as compris ça? Oui. Le petit-fils du patron. Tu sais comment tu fais? Tu l'attires comme le petit poucet. Tu mets des bonbons par terre. Et lui, il va ramasser comme ça. Et puis, au moment où il arrive vers toi, t'as compris ou pas? Ah oui, j'ai compris. Hein. Très bien. Et tu la ramasses par derrière. Hein. Oui. Il ne doit pas te voir. Il ne doit pas te voir, le gamin. Tu prends par derrière et tu... Menda. Ah. En tout cas, ni vu ni connu. Ni là. Comme des inconnus. Voilà. Monsieur, l'affaire, elle est réglée. Le papa, il est parti, donc je vais aller ramener les enfants au parc. Pas de souci. Vous déposez les enfants à la maison tout à l'heure. Ah, t'as vu? Ils sont là. Ils sont là. Hé. Hey. À tout à l'heure, les enfants, on va au parc, ok? Oui. À tout à l'heure, papy. Au revoir, papy. Ils sont là. Oh. Ils sont là et... C'est pas le moment, là. Tu crois que c'est le moment de danser, là? Arrête ça. Le patron, il part. Et là, tu vas. Et tu te tiens au plan. Hein. Tu fais le plan, comme on a dit. Comme on a dit, hein.